On fait des trucs à côté. Ouais. On nous voit bien. Bien, ça va pas se passer. Hein? Bon, la soirée. Hey. Hey, on est là à travailler. Ils savent pas qu'on travaille. On travaille. Non, boss, hein. C'est 100 000 la prochaine vidéo, c'est 100 000. Les il m'a y aller de pas 100 000. Mmh. C'est quoi ça que tu fais dans la vidéo là? Tu as gagné 100 000. On va là-bas, quel mouvement? Voilà, c'est cagnotte, même Beckham. Si tu demandes à Beckham là, il dépasse Agana Wan. Genre, il est drôle jusqu'à. Non, mais si quelqu'un. Toi aussi. On dit photo de moi dans la rue. C'est quand la dernière fois ils ont fait photo de toi? Avant-hier, faut demander à Juma. Pour avant, il y a une fille qui est. Hey, Beckham! Juma, vrai, vrai. Faut demander. C'est toi là-bas? Oui. Faut pas demander à quelqu'un. C'est Benny si j'ai blessé à rien. Moi, ici, là. C'est qui? Benny, j'ai plus à blesser. Générique. Attends. Pardon. Faut laisser Benny si vous okay. Pardon. 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 Faut laisser Benny là-bas. Là. Tu es prêt? Allons-y. Tu as mis bout d'oreille. Aïe. C'est original. Non. Star, mais pas bout d'oreille. Ça, c'est original. Aïe. Moi, j'ai essayé de percer, mais ça peut y avoir pari. Tu percèves? Tu es percé où? Ici. Mais c'est juste. Moi, personne n'a pas payé tes jeunes. Oui, tu t'es jeune. Oui. Moi aussi, quoi. Toi, tu es un enfant, quoi. Toi, tu es jeune. Ah, oui, moi, c'est la jeunesse. Tu vois, c'est comme moi. On va commencer la vidéo, là. Ok, alors, ça. Générique. Générique. Non, générique. Pas générique. Mais comme, faut pas trop me fatiguer. Ah, oui, ça. Clarisse, tu t'en vas. On s'est dit à vendredi. Tu as pris en portée nourriture. Oui, ça va. Madame. Qui est madame? C'est moi, c'est ton patron. Si tu appelles Noura, madame, pourquoi? Tu appelles Noura, madame, pourquoi? C'est moi ton patron. Clarisse, mais toi, tu dis pourquoi elle t'appelait monsieur? Non, 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 moi, elle pas monsieur là. Kevin, c'est bon. Ah, donc toi, tu dis. Sa patronne. Donc, quand Clarisse était ton employé, elle t'appelait madame? Oui. Non, elle m'a pas dit de l'appeler par son prénom, c'est moi qui n'ai pas. Elle t'a pas voulu. Ça a dit. Ah, pour moi, là, tu veux. Bon, bref, générique. Donc vous là, Kevin. Oui. Il a la dalle, hein, Kevin. Vous avez fait. On a très fait même. Ouais. Mais allez-y sur Yango Deli, c'est simple. Ah, Kevin. Et puis j'ai un code promo, Kevin 2000. Ah, ça bon, vous donne 2000 francs de réduction. Ah bon, hein. Ah, bon. Mais c'est que c'est frais. Hein. Bon, il y a déjà Loïc qui va commander pour vous. Yango Deli, Kevin 2000. Regardez cela même. Ce que je commande là-bas, c'est que je vais vous donner aussi quoi. Juste un peu de KFC pour me mettre en jambe avant la vidéo. Sans oublier le code promo Kevin 2000. En 20 minutes, le livreur était déjà là. Je suis désolé pour eux, mais je vais aller me cacher pour manger moi seul. A tout à l'heure les choses. Et surtout, n'oubliez pas de commander sur Yango Deli avec le code promo qui défile en haut de l'écran. Coucou les choses, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si tu peux crier, le loyer est cher. Crie okay, y a pas mal. Coucou les choses, j'espère que vous allez bien. Voilà, tout ça c'est dans le loyer. Et tout ça c'est dans le loyer. Bon, les chouris, avant de commencer la vidéo, je viens encore vous parler de GS Application. Toi, tu connais les gens en France, non? Oui. Tu connais quelqu'un en France? Je connais beaucoup d'hommes. Ah, c'est beaucoup d'hommes? Oui. Ah, c'est pour ça que c'est une seule personne que tu connais ça. Oui, il est parti là-bas, il vient, non? Il y a mes connaissances, ça va. Il n'est jamais parti. Oui. Il va beaucoup vous mentir dans la vidéo. Oui. Oui. Là-bas, il paye, il ne va pas. Donc, qui donne là? Mais comme il faut respecter mes abonnés, on n'a qu'à dire la vérité. Les abonnés me respectent. Il y a une fille qui m'appelait, elle dit c'est Gisèle, elle dit Gisèle comment? Et elle s'appelle Beckham, elle s'est beauté, toi tu dis Gisèle, en 2024 là. GS Application. GS Application. Donc, par exemple, comme tu connais beaucoup d'hommes en France, si quelqu'un veut t'envoyer un colis, la personne va sur GS Application. GS peut aller devant le portail de la personne, la porte de la personne en France là-bas, pour prendre le colis. Pour t'envoyer ou bien dans un point relais, c'est la personne qui choisit. Si la personne veut que GS va devant sa porte ou bien dans un point relais, la personne décide et puis on t'envoie soit devant ta porte à Abidjan ici, soit dans un point relais. C'est pas cher, c'est pas cher. J'ai dit 1 kilo 12 euros, donc 2 kilos 24 euros, c'est ça. 12 euros le kilo, donc c'est absolument pas cher. Surtout qu'il y a la possibilité d'aller prendre le colis chez la personne et puis vous envoyer chez vous à la maison. Même si tu as Bobo, GS va là-bas. T'as qu'il y a plutôt que Bicasso, Bicasso. Qui? Lui qui est cassé. Qui casse?
Lui qui casse. Non, on casse pour reconstruire. En Côte d'Ivoire, on casse pour reconstruire. Quand ils n'ont pas cassé ta maison là. On casse pour reconstruire. On casse pas pour casser. Le gouvernement casse pour reconstruire. Et puis le gouvernement casse même pour aider les gens. Pécam, pardon. Faut pas me mettre dans le problème. Pardon. Pardon. Y'a pas de pied. J'aime ta carrière, oh. Et puis j'aime plus le pays. Pardon. On n'a pas encore parti. Si on faisait ça aux États-Unis, tu lui casse vraiment. Donc, si tu as un bobo derrière rail, on peut t'envoyer là-bas, quel que soit le quartier. Voilà. Sécurisé, y a pas c'est ça, exactement. Et surtout que peu importe où tu habites en région parisienne, même si tu habites à Bretigny-sur-Orge, ils peuvent aller chercher devant ta maison pour envoyer à Abidjan. En 3 jours, ça vient. Par maintenant, quelle que soit la distance, le prix ne change pas. C'est mon partenariat, c'est pas pour toi. Faut laisser. Okay. Leur habit, il faut laisser. Okay, tu décides. Si tu veux que ça vienne par avion, en 3 jours, ça arrive. 1 kilo, 12 euros. Si tu veux que ça vienne par bateau, ça prend 3 semaines. 100 euros le carton de 300 litres. Je lis pour ne pas me tromper. 100 euros le carton de 300 litres. 100 euros le fût de 280 litres et 390 euros le mètre cube par bateau, ça arrive en 3 semaines. Ça arrive dans ton quartier. Voilà. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'aller sur l'application GS Application. Eux-mêmes, ils vendent des articles. Ça peut être des articles de luxe. Ça, ils te livrent cadeau en 3 jours par avion. Si tu vas, ça s'appelle vente privée. Voici ça. Quand tu rentres dans l'application, il y a le truc vente privée. Quand tu vas là-bas, là, tu peux voir des sacs, des chaussures que eux-mêmes, ils vendent. Quand tu achètes ça, on te livre cadeau. Voilà. Mais si c'est toi-même tes colis, ça vient en 3 jours aussi, mais tu payes 12 euros le kilo. Voilà, donc n'hésitez pas à gérer cette application. Quel que soit où tu te trouves. En France, ça vient à Abidjan. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà. Quel que soit la distance. On va commencer la vidéo. On est venu faire ta meuf peut-elle. Bon, lui, c'est pas meuf, c'est quoi? Ta go peut. Ta femme peut-elle. Peut avoir le droit de. Ta meuf. Pas tu dis meuf. On dit quoi? Meuf. On dit quoi? Meuf. On dit meuf. Maintenant, moi, je dis quoi? Meuf. Ah. Lili, on dit meuf ou meuf? Ta meuf. On dit meuf. Ta meuf. Nora, on dit quoi? Tu sais pas? Moi, c'est en français pour lui. Dis-moi, on dit quoi? On dit meuf ou meuf? Ta meuf. Moi, c'est ta zimago. Non, ta meuf. Les abonnés savent. C'est ta meuf. On dit pas meuf. C'est quand tu es chocot, tu es là, tu dis meuf. Non, c'est meuf. Meuf là c'est abobo, meuf là c'est pour vous. Meuf c'est abobo, meuf là. C'est ça c'est pour vous. Ah, ouais. C'est Rivera. Lili Folli, ta meuf peut-elle. Ta meuf peut-elle venir au mariage, à ton mariage. Tiens Lili, c'est pas ce qui est écrit. Ta meuf peut venir à ton mariage, comment. Si c'est ta meuf, évidemment elle sera au mariage. C'est ça qui est ici. Non. Est-ce que ta meuf peut envoyer son ex à votre mariage, c'est ça j'ai écrit. Mais faut lire, c'est que tu vois ta meuf peut venir au mariage. Mais si elle vient au mariage, c'est normal que c'est son mariage vu que c'est ta meuf. Ta meuf, ton ex. Donne, faut laisser. Ça fait pas, regarde. Il y a une mauvaise tête. Bon, regarde. Donne. Regarde. Oh, raison. Non, raison. J'ai fait des phrases un peu simples. Ça, mais c'est dans ta tête, donc c'est toi qui dois dire. J'ai écrit ex venu au mariage. C'est pas ta meuf, ton ex, j'ai écrit. Non, pas lui. Est-ce que ta meuf peut inviter son ex à ton mariage? Non, jamais. Tu vas venir là-bas. Et d'abord, moi, les invités, c'est limité. Puis moi, j'ai fait ça aux choses. Ou maman a fait là. Au PAM Club. C'est au moins 200 personnes. Mais lui, il va venir là-bas. C'est pas possible. Il ne peut pas venir même. Donc, même s'il vient, on ne sait pas. On ne sait pas quoi. Non, il va m'aider. Mais pas même. Imagine, c'est pour pas de ses enfants. Ils sont restés amis, tout ça. Mais amitié, femme, garçon, ça n'existe pas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Non, mais il ne peut pas venir même. Les enfants vont venir 7, mais lui, il ne vient pas. Il vient faire quoi? Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Toi, justement, pas... même, s'il vient, même, il va voir que elle n'est plus pour lui. Non, il va parce qu'il va venir à la mairie. Il va voir, je le veux, il va voir Bad. Mm. Il va voir qu'on est en train de manger, on est en train de danser, on est en train de faire balai. Mm. C'est fini. Non, moi, il ne vient pas. Mais s'il vient dans un cadeau, tu vas prendre. Il y a un moment pour quoi? Quand tu te souviens pas là. Mais c'est quoi il y aura dans le cadeau là? Il peut envoyer un moment. Moi-même, mon papa voulait venir au mariage de ma maman. C'est parce qu'il n'a pas eu le carton d'invitation. Mmh. Papa Obé, il voulait venir. Ah, gamin. Oui. Bon, lui, c'est parce qu'il aime un peu fête. Ah, il voulait venir? Non, moi, il ne peut pas. Toi, tu ne peux pas? Non, vice versa. Moi, il ne peut pas. Moi, tu sais, c'est plus à toi, c'est lui, c'est la guerre. Hein? Non. Mais toi, souvent, mais ça ne doit pas être la guerre, puis tu fais la guerre. Comment?
Parce que je vais pas parler ici à la caméra. Mais oh, à quoi là? Pourquoi tu fais la guerre là-bas? Ça doit pas être la guerre. Non, mais. Non. Ah, mais vous n'êtes plus ensemble, justement. Mais tu fais la guerre quand même. Non, mais c'est par rapport à l'éducation de ma fille que voilà, il essaie de regarder un peu. Sinon, c'est pas parce que tu penses que c'est la guerre en tant que tel. C'est mes principes. Donc, c'est lui quand il va venir manger là que ça va faire que le barrage en pas venir même. Hey, venir comment? Et puis, même si il a enfant. Bon, s'il vient quand tu savais même pas que c'était son ex, et puis après le mariage, tu sais, tu as divorcé. Après le mariage, elle va me rendre compte. Et puis, même s'il a les enfants. Et moi, ma femme, là, il y a des heures, il doit l'appeler. Lui, il ne peut pas l'appeler à une heure, il ne peut pas l'appeler à deux heures. Pour parler de quoi? Mais si l'enfant est dans un problème critique et puis l'enfant vit à sa maman, on ne peut pas t'appeler. Problème critique, là, c'est quoi? Maladie, quoi? Oui. Moi, j'ai. C'est mon enfant. Toi, tu es médecin, quoi? Non, mais il y a le droit de m'occuper de l'enfant, des enfants. Voilà. Après, il peut appeler pour savoir comment ça va. Il est responsable. Il est responsable, qui il a dit quoi? Tu as ton iPhone. Attends, tu as ton iPhone depuis 5 ans. Ah, ton iPhone même a eu master pour te laisser. Oh, please. Non. Master, c'est quoi? Jamais, toi aussi. Mais comme pas, tu seras quelqu'un de mari. Mais vous, c'est dit quoi? Mais elle est meilleure amie, c'est son meilleur ami. Imagine, c'était son meilleur ami avant qu'elle te connaisse. Donc, quoi faire amitié poule? Ils vont parler de quoi? Ça guérit quoi? Ou mais ils vont parler de quoi? Ils vont parler. Quand t'es plus poule, ils vont faire amitié, ils vont parler de quoi? Mais ça guérit comment? Ah, mais c'est rien, picot. Ah! Où est ma soeur? Ils vont parler de quoi? Femme, garçon, amitié, de quoi? Mais de la vie! C'est oui. Amitié femme, Djoumami qui est là. Il a meilleur ami femme. C'est qui? Djoumami, ton grand frère, mon oncle, qui est assis là. C'est qui? C'est précis. Ah, gamin. Hein? Pourquoi il fait ça? Non, mais lui, il veut faire quoi? Il n'a rien dit. Mais moi, selon moi, ma femme ne peut pas avoir meilleur ami homme. C'est pas possible. Donc, ça par exemple, si elle a un meilleur ami homme, et puis toi, tu viens le trouver, elle n'a qu'à le laisser quoi? Non, elle va le laisser. Ou bien il devient moi mon ami. Mais le rôle de meilleur ami là, c'est quoi? Il peut son mari. Et puis moi, il peut être son ami. Yes, là. Oui? Non. Donc, quand tu connais les choses comme ça, et puis tout le monde tout s'égale, toi, Noura. Toi, Noura, tu connais tout ça, et puis toujours tes trucs s'égale. Que le rôle de meilleur ami, c'est quoi? Et puis. Non, moi, non, jamais même. Ou même, on va faire la tontine. Ils auront un goût de tontine. Vous voyez, c'est quoi? Moi, je peux. Ça ne me dérange pas. Moi-même, j'ai beaucoup d'amis et femmes. Noura a des choses à me dire. Donc, moi, franchement, du moment où moi, j'ai des meilleurs amis femmes, si ma femme a un meilleur ami comme ça, me dérange pas, c'est son meilleur ami. Non, moi, je ne peux pas. Garçon et puis femme qui sont amis, même là, c'est les deux qui se donnent les meilleurs conseils. Donc, toi, tu peux accepter que ta femme soit dans un groupe TDN ou bien quoi, un groupe bizarre d'anniversaire. Toi, tu peux TDN, c'est quoi? Ce sont les groupes d'anniversaire, par exemple. TDN, moi, docteur, tout ça là, mais moi, je ne peux pas accepter. Ce sont des trucs d'anniversaire, genre du 1er au 31 du mois. Là, vous tous vous regroupez, vous faites un anniversaire gigantesque pour tout le monde. Ah non, moi je connais pas les choses comme ça. Moi je peux pas. Parce qu'il y a déjà eu go dans. Mais ça, c'est quel groupe en fait TDN qui a anniversaire? Ça, c'est moi, déjà eu go dans tous les moments comme ça. Donc, moi, ma femme là, elle est précieuse. Je sais comment ça se passe. Je connais le réseau. Je sais comment ça se passe. Donc, je ne peux jamais. Genre dans TDN là. Elle va avoir un gars qui a la draguer quoi. Forcément, on organise l'anniversaire à la plage, ou même un coin entre nous. Forcément, ça s'est passé. Oui, toi aussi. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Voilà. Parce que la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Toi, tu penses qu'on est encore dans les années 1430 ou bien voilà. Toi-même, tu as porté un bouc d'oreille, comme Wawa et King. Toi, tu ne veux pas que ta femme ait une amie, garçon. Toi, tu pensais ici, là, le bœuf malien, là, pas que.
Il y a personne, hein, quoi. Il y a Ben Malien. D'accord, moi, il y a personne comme Ben Malien, mais c'était dans le passé. Tu viens de dire personne. Ton passé finit toujours par te rattraper. Tu voulais percer tes yeux, parce que nous, on a parlé. Comment faire, hein? Moi, il voulait percer mes yeux. Autant de Kunta Kunte là, autant de Kunta Kunte, j'ai ça en français ici là, pour tirer la vieille là, pour dire faut me suivre. Allez, Beu Malien, c'est ici en français, c'est le type, c'est la tête. Ta meuf peut prendre ta carte bancaire pour sortir. Allez où? Pour faire quoi? Pour aller faire Agama, Agama Bono, pourquoi tu fais ça? Comment même? Comment même? On m'achète à Mouvou là, il n'y a pas 4 banques, c'est colo colo. Bon, dis-donc, mais 4 banquets là, où on utilise ça? C'est dans les grandes surfaces, au supermarché. Mais elle peut prendre la 4 banquets pour aller faire les achats dans les grandes surfaces, les achats de la maison. Les courses? Pour aller faire les courses. Mais il y a web non? C'est quoi, c'est un nouveau mot? Les courses? Il y a web. Il y a des fois dépôt web, tant géré. Non, tu as fait un dépôt Orange Money. C'est mieux de faire Orange Money. Orange Money, mais c'est voilà, mieux. Voilà, faut pas venir m'énerver ici. Il a fait Orange, Orange Money. Il y a Orange Money. Fais gâter pour prendre mon pot d'affaires. L'application va faire comme ça. Comme... Tape, tape, send aussi. Non, l'autre là, c'est que tu as parlé ça premièrement. Non, mais ça, c'est quand tu es en France. Tout ça là même, ça peut, on peut le remis. J'ai cette application. Alors, tu demandes quelque chose, j'ai cette application d'envoi, ça vient te trouver à la maison. C'est pas fou. Tu as pas ma carte bancaire comment même? Moi, en tout cas, ma femme peut prendre ma carte bancaire. Bon, j'en ai plusieurs, mais carte bancaire. Parce que, c'est ma femme, si elle a envie de faire des courses pour les enfants, pour elle-même, si par exemple sa carte est bloquée, tant bien même que sa carte marche, elle a envie. Si elle a envie de prendre ma carte pour aller faire un tour dans la ville, pourquoi pas, je lui donne mes cartes. Et puis, mais toi, depuis, tu te joues les bons, bon, mon gars, mais je connais pas ma belle. Mais c'est comment? Ça a arrivé là-bas. Mais si célibataire, tu veux connaître. Moi aussi, je peux te faire fort. Hein. Non, faut le dire. Parce que où tu veux aller là? Si on veut aller là-bas, ça va pas t'arranger. Boucle d'oreille, elle va tomber. Mais nous, t'es sœurs, j'ai une question qui est venue. Attends, attends. Tu dis quoi? Elle nous, tes sœurs, hein? On peut prendre. Pourrait-on prendre tes cartes bancaires pour nous faire des courses? Donc, moi, ma femme peut prendre ma carte bancaire. Toi aussi, tu peux prendre ma carte bancaire. Mais moi, j'ai dit tes sœurs. Donc, si ma femme prend ma carte bancaire, oh. Mes sœurs prennent mes cartes bancaires, oh. Ma grand-mère prend ma carte bancaire. Oh. Pour finir, même ma conseillère va me chasser de la banque. Toi, tu ne peux pas trouver un gars qui a 4 banquiers. C'est moi ma carte, tu veux. Moi, il ne fait pas à moi ça. Moi, je peux donner ma carte. Ah, c'est que votre grand-mère, moi, il ne peut pas faire. Et où ça m'a dit, vous dites, non, ma femme peut. Je ne sais pas. Et les gars qui viennent faire le vrai match, ils ne montent pas. Il y a les gars, ils donnent l'argent à l'ego. Toi, tu n'as pas l'argent à l'ego. Ah, ils donnent. Moi, c'est moi. C'est pas vrai, c'est moi. Eh, Seigneur. Faut poser autre question. Bon, mais... déjà même pour donner 4 banquets, même faut avoir. Tu as dit quoi? Mon fils. Il n'y a pas quelqu'un qui sait qu'il y a 4 banquets qui est top. Il y a des 4 même. Ah. T'as des 4 magnétiques? Oui. Parce que vous les fonctionnaires, vous ne dites pas 4 banquets, vous dites 4 magnétiques. Moi, c'est pas fonctionnaire. Bon, vous les hommes d'affaires. Je suis youtubeur. Alors ça. T'es youtubeur? Votre meuf peut-elle avoir un coach sportif? Mais non, comment? Genre, où on te met dans l'eau, puis on te fait. Mais actuellement, Poutou est en plein sport. Hein? Poutou est un coach sportif. Oui, actuellement. Mais à Bopo, elle est un coach sportif. Elle a fait son sport. Et puis, son gars la laisse. Ah, il veut me servir de laisse. C'est vous dire ça, j'aime quoi? Non, si elle va là, ça l'ok, mais coach sportif privé, c'est de ça. Non, c'est de ça, on parle. Ça, là-bas, c'est ouais, ouais, il y a tout le monde là. Privé comment? Ah, toi aussi. Non, non. Aïe. Non, moi, franchement. C'est coach sportif femme, il n'y a pas de souci. Mais coach sportif, c'est pas que garçon. Hein. Ah, d'accord. Non, c'est femme. Hey, le coach sportif femme aussi. Là. On s'est trop pis trop pis derrière. On s'est trop pis trop pis derrière. Le coach sportif femme aussi. Là. Vous dites vas-y. Vous dites quoi? Vas-y. Son dos là-bas, il a trop pis trop pis trop. Ah, d'accord. Ah, mais gynécologue garçon, je ne veux pas. Hey, les gynécologues, ils sont pro. Ouais. Mais il y a femme non. Oui. Elle va pas du côté femme. Allez, pourquoi toi-même? Je t'allais déjà dire. Mais c'est la gynéco, c'est son travail, aïe. Moi, je peux pas. Je ne peux pas y avoir. C'est un gynéco. Côté femme. Il y a femme, non? Non, moi, je peux pas. Mais comme ça, qu'elle n'est pas malade. Hein? Mais il y a femme, non? Tu veux femme, là? Non. Et puis, les gynéco. Toi, tu t'es servi martini dans verre de bière. Quand il y a bois, ça devient ça. Mais ça, c'est un verre à bière, c'est pas un verre à martini.
Quand tu mets dans le pied, quand tu vois le derrière, tu vois comment elle me parle. Chez moi, à la maison. Faut il a même elle a envoyé ça derrière. Moi, elle est venue, elle a cassé chaise. Le père chaise, elle a cassé. C'est toi qui as cassé ma chaise. Hein? Ça, non. Bon. Hmm? C'est pas elle. C'est elle. Toi, tu es chine, t'es pas là. Qui a assis là? Attends, Sarah, elle est venue. Sarah, t'as fait quoi? Bon, moi en tout cas, moi en vrai de vrai, ça me dérange pas. Si elle est un coach sportif, homme, ça me dérange pas. Femme, non. Même homme, en vrai. Toi qui vois le sport à la maison quand je suis là. Tu vois? Si tu n'es pas là. Non. Alors, je veux dire, ou ma quoi, je dire avec quoi? Mais toi, tu ne fais pas confiance au bien. Non, c'est pas ça même, c'est la vie même. En vrai, elle est dingue. Il y a le corona, il n'y a pas tout ça. C'est pour te dire que la vie m'est fréquée. Donc il faut faire attention. Faut prendre des précautions. Tu prends quoi? Précautions. Vos meufs peuvent-elles. Peuvent-elles? Tu dis vos meufs, c'est peuvent. Peuvent-elles être d'amis à vos soeurs? Non. Moi, je pense que ça doit rester dans la courtoisie. Voilà. Non. Parce que c'est affaire de CPA qui envoie mon dérespect. Deux personnes qui sont trop CPA. Il y a toujours un baya après. Si ta go et puis tes soeurs sont pas très camarades, que quand elles se voient, c'est juste la courtoisie. On dit quoi, ma belle, elle fait amitié de Josiane. C'est-à-dire que c'est quand elles se voient, elles causent, c'est fini. C'est quand elles deviennent CP pété là. Bah bon. C'est là, il y a bavardage. Mmh. Donc non. C'est pas ou bien, bon. Non. C'est pas bon. Mais elles sont déjà leurs amis. Si ma chérie a, son, a ses amis ou son ami, sa meilleure amie ou son meilleur ami, elles sont obligées de faire amitié de quoi? Non, ça rentre trop dans les trucs, mais c'est pas voilà, bon. Voilà, ça envoie bavardage. Et puis, si tu fais pas attention, ta soeur ne va plus te respecter. Parce que ta femme, elle va se confier à ta soeur, elle va dire certaines choses. Non, c'est que ta soeur même n'est pas bonne. Parce que normalement, c'est ta femme. Non, si ta femme vient te critiquer chez ta soeur doit t'appeler pour te dire. Non, si ta soeur même n'est pas bonne. Non, mais quand tu dis CPA, là, c'est ça. On s'accorde. Elle voilà, va pas te dire. On dit CPA. CPA, c'est CPA. Comment ça? Pourquoi va te dire? Mais, c'est. Tu me critiques chez ma soeur. Ma soeur va me dire. Non, c'est que vous n'êtes pas CPA. Moi, mais je ne peux pas même. Bonjour, bonsoir, c'est comme allô, allô. Joyeux anniversaire, tout ça. C'est tout. Mais c'est quoi dans ça? Et puis, pour finir, elle va rester. Elle va rester papa, toi. Parce que toi, c'est vrai, tu vas faire ton bafou, mais tu vas rester ta meuf. Et puis moi je suis là maintenant, je vous regarde. Tu fais un coup, elle va venir. Lui, là, ton frère, c'est un coup, c'est moi qui fais pire. Non, elle va jamais. Mais normalement, c'est ta soeur, normalement, elle va dire à ta femme. C'est tu viens. Donc tu vois, non. Où est-ce qu'elle m'a dit? Ah, on n'a pas vécu ça. Où ça? Qui? Elle qui en fond? Où ça? Elle est venue. C'est qui ça? On a vécu ça direct. On a vécu ça. Oui, attends, ça va. Faut te lever, faut te lever. Mais comme c'est bon. Alors ça. Ta meuf peut telle partie en boîte sans toi. Elle, elle a dit. Non. Mais toi-même, tu vas en boîte sans ta meuf, non? Non, elle a dit, il y a une meuf. On elle a pas. Dit. Mais comment ça, je suis compliqué que toi, hein? C'est pas toi qui me dis si on dit meuf ou meuf. Essayons. Moi, déjà, je te dis meuf parce que je me dis que bon. Essayons. Si je dis meuf, tu vas pas. De quoi? Bah qui commence? C'est lui qui met dans ça. Hein? Comment? Tu veux vraiment qu'on continue? Allez, ça. Non, non. C'est que moi, moi. Okay. Comment? Oui, hein. Comment? Quoi, comment? Vous dites? Non mais attends, du coup on va parler en fonction de. Non mais tu attends, on va parler de ce que en fonction de ce que Lily a dit. Est-ce que toi tu penses que ta meuf pourrait aller en boîte de nuit sans toi? Non jamais. Pourquoi? Non mais parce que. On a dit un chocobier. C'est que c'est la. Ah, ça va dormir. Ah ok, vas-y, vas-y. C'est une faux. Non, vas-y. C'est pas. Non, c'est pas une faux. Vas-y, vas-y. Non mais parce que moi j'ai mes critères. Vraiment, ça fait partie de mes principes. Hé, hey, Agama! Agama, pourquoi tu fais ça? Bravo, pourquoi tu fais ça? Vraiment! Il dit Agama! Il a ses principes! Il a mes principes!
Non, mais en quoi est-ce que ne pas laisser ta chérie aller en boîte avec ses copines, en quoi est-ce que c'est un principe? Non, mais ça fait partie en même temps de comment dirais-je, c'est choquant. Ouais, ça va, j'ai pas vu. Ah, j'ai tué. Mais on continue. Alors, ça fait partie de mes principes, ça fait partie. Prête-moi le mot là. C'est Lily qui a dévoté le mot. De mes valeurs. De voilà. Ça fait partie de mes mœurs. Merci de me prêter ton mot. Merci. De ma culture, si je peux m'exprimer. C'est pas ta culture, ta culture. Ta culture. Oui, ma culture. Yeah. Que tu es, c'est pas mieux, on parlait bien. Non, non, ça. Non, moi, franchement, ça me dérange pas. C'est juste aller en boîte de nuit. Et de toute façon, quand tu as fini en boîte, là, même si tu te rends sous en boîte, tu vas rentrer à la maison. Non, mais elle peut partir. Mais ça dépend. Elle doit savoir qui elle s'en va. Parce qu'elle est sur mon coupole. On dit ma coupole. Loïc, c'est moi, c'est ton patron, tu me laisses ça dans le potage. Loïc, c'est son nom, comment couper ma couponne. Tu vois, elle, c'est ma responsabilité, c'est mon responsabilité. Ah non, tu connais ses responsabilités, que couponne. Non, c'est un peu ça, elle peut partir, mais il doit savoir elle est qui. Soit ses collègues, ses amis, voilà. Mais quand il fait d'un, mais il est bon quelqu'un. Il est coupé, c'est ton. Et c'est pas bon quelqu'un. Non, genre, quand tu es en couple, là, genre, tu peux dire que tu es l'homme parfait. Mais c'est bon. Ta meuf peut-être refuser de chauffer de l'eau pour ta mère le matin. Mais c'est que c'est pas ma mère. C'est que ça va. C'est à quelle heure? C'est moi, ma mère, c'est à 4h. C'est à 4h, non? C'est à 4h, à 5h, ça va. Si elle refuse, il y a Nyongo. Je commande Nyongo en même temps. Non, c'est pas possible. Moi, je suis désolé, un peu. C'est pas la servante de ma maman. Tu vois, attendez. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté parce que meuf, tu dis meuf là, c'est aussi enfant de quelqu'un. Pourquoi toi aussi tu vas pas chauffer l'eau pour sa maman? Je suis désolé. Mais lui ne peut pas refuser de chauffer l'eau pour la maman. Bécam qui est là. Non, moi je peux pas refuser. La vieille est là, elle se sent pas bien. Mais pourquoi? Mais la vieille, elle a fait un problème. Mais pourquoi on se lève à 4h pour chauffer son dos? Elle ne peut pas se laver à la pompe. On dit la vieille. Mais oui! Attends. Mais c'est parce qu'elle est vieille, même qu'elle doit se laver à l'eau froide. Toi, tu sais pas que. Tu sais. Quand on a des fois, ça devait vous couper tes reins. Quand tu n'es pas parti en France. Toi, Macron t'a gâté. Tu n'es pas parti. Macron, même là. Il va se réveiller pour chauffer l'eau de la maman de Brigitte, quoi. Non, la maman de Brigitte, comment? Lui, mais sa femme, c'est sa maman. Sa femme, c'est sa maman, comment? Non, c'est ça là, je peux pas. Okay. Ah, tu dois repartir. Quand c'est pour nous en Afrique ici, là, tu dis un peu ma femme, ma femme, tu sais, ça, maman. Dis que tu. T'as mon t-shirt Visa. Toi, tu aimes Visa que tes parents. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça va, ça, maman. Moi, ok. Non, c'est bon, mais tu es ça, mais tu es là. Alors, moi, j'ai. Non, il n'est pas fini mon argument. Ok, faut aller. J'ai dit. Normalement même, quand on parle de l'eau chaude, l'eau froide, parce que ce sont nos grandes-mères africaines là, qui aiment qu'on chauffe l'eau chaude pour elles. Mais plus tu prends de l'âge, plus tu dois te laver avec de l'eau froide. C'est bon pour les os. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, là, nos grandes-mères, elles aiment l'eau chaude. Et puis si la femme de leur fils ne se lève pas pour chauffer l'eau, elle n'est pas bonne, elle ne les respecte pas. Je suis désolé. Mais c'est la coutume africaine. Qui avait rêve pour dire que c'est dans quelle coutume la belle-fille doit chauffer l'eau pour sa belle-fille. Oui, mais ça fait partie des principes. Tu comprends? Mais est-ce que la servante s'élève pour chauffer? C'est pas l'eau chaude. Mais bon, si la servante n'est pas là. Mais toi-même, la femme. Mais toi-même, qu'est-ce que c'est? Toi-même, qu'est-ce que c'est ta maman là? Tu vas te lever pour chauffer l'eau pour elle. Ah. Aïe! Moi, t'as dit quoi? Moi, peut-être c'est bizarre. Moi, c'est ma maman chez moi. Attends. Côté Macron, tu veux pas. C'est bizarre, tu cherches. Ouais, faut parler. Faut laisser Macron où il est là-bas. Mais Brigitte, c'est sa maman un peu. Bah, de toute façon, ici, là même, là, nos papas appellent nos maman, non. C'est sa maman. Il doit dire mémé maintenant. Il doit dire quoi? Mémé. Mais comment t'as fait quoi, mère? Non, maman, t'en fais pas. Moi, en tout cas, non, franchement. Hein. Franchement. Allez, tu vas. Mon quoi? Mon placard ivre. Ça sent. C'est d'où, non?
C'est mon père que tu as mangé là. Ah non, 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 non. Je t'ai dit de ne pas toucher mon père Ali. Et Non, ça me plaît pas. Tu n'as pas mes gnagnons là. Toi, je savais qu'on ne pouvait pas vivre ensemble. C'est la dernière fois que tu viens. Toi, Noura, c'est la dernière fois que tu viens. Elle n'a pas mes gnagnons. Oui, moi, je mange pas crabe. Après vidéo, moi. Non. J'ai parlé beaucoup, papa. Non, laissez vos placards. J'ai parlé beaucoup. Je lui ai dit, moi, c'est ma mère chez moi là. Qu'elle aime l'eau chaude à 4h du matin. Moi, mais il vient mettre mon réveil pour chauffer l'eau pour ma maman. Toi, mais ta femme. Moi, ma maman. Ça fait des vidéos, mais y'a quoi? Ah, moi, ma mère, je vais chauffer l'eau pour maman. Moi, je vais chauffer l'eau pour maman. Maintenant, ta femme, quand elle va voir que tu te lèves pour aller chauffer l'eau. Mais c'est ma femme. Elle-même, elle doit te mais c'est ma femme dont je la laisse dormir. Non, elle doit mettre son portail sur le buffet. Toi, tu peux être. Non, non, en Afrique, vous. T'as fait quoi, mais non, en Afrique, vous pensez trop que vos femmes se sont vos servantes. Moi, je sais pas. C'est ta femme, c'est pas ton instrument. Comme moi, je sais pas. Ah, Bori, Michel, on a compris. Tape, toi, c'est vrai. Elle doit se lever. C'est pas lever ou étouffer. Une date d'histoire, c'est pas dit. C'est que tu m'expliques, ça me rappelle pour une série. On parle même plus, on parle des mariages. On parle le goût de. Lili, toi tu peux te lever chaque 4 heures pour chauffer l'eau pour ta belle-mère. Oui. Toi tu peux. Oui. Toi tu peux qu'on goût. Donc toi tu peux. Elle sait que tu. Ça tu peux. Vas-y, dis. C'est ce que tu as dit là, toi tu peux. Pour ton papa, tu peux te lever à 4 heures. Pour mon papa. Pour chauffer l'eau pour ton doigt brûler, toi tu peux. Non, mais lui, il ne se lève pas à 4 heures. Non, ça là, c'est dans l'homme. Si pour on se lève à 4 heures. Ton papa n'aime pas l'eau chaude, c'est son totem. Mais tu peux préparer les riz. Voilà. Fais sauce. Oh, lis, maman. La femme peut-elle travailler ailleurs? Genre dans une autre ville ou tout. What? Hormis la ville où toi viens de Tunisie. Toi-même, ça t'arrange où? Ça va pour moi. Toi-même, travailler. Ta meuf travaille ailleurs, là, ça t'arrange. Non, y'a pas pour moi. Ça, c'est rien, pas pour encore, à ma vidéo. Y'a pas pour s'il y a quelque chose qui t'arrange là, c'est ça là. Moi, elle m'en va là-bas. Y'a pas problème. Si elle peut faire 10 ans là-bas, même comme si elle partait travailler au Vatican, non, c'est pas ça. Ça déplaît. Mais quand c'est comme ça, même, ça rend l'amour chic. Tu vois, c'est l'amour épicé, tu vois. Mmh. Et on se voit pas comme ça, on s'appelle, on s'accorde. Moi, en tout cas, ça se voit pas. Moi, je veux pas. Parce que moi, je n'aime pas. Moi, les choses à distance là, je n'aime pas. Moi-même, on est dans deux communes différentes, même souvent, ça m'énerve. Non, moi, il n'aime pas les choses à distance. Hein. Tu mens, il m'a codé. Donc, mon affaire, il codé personne. Il codé personne, maman. Tu connais qui? Si tu veux, un abonné, un poil à la caméra, un rentre dans la chambre. Ça n'a pas vu habit de femme. Faut t'assurer. Ah, d'accord. Ça n'a pas vu habit de femme. Non, moi, en tout cas, personnellement, ça, non, personnellement, ça me dérange. Voilà, moi j'aime bien quand on est dans la même. Dans la bataille habite les femmes, on va pas couper. Dans la même commune. Folie. Mais il est célibataire, c'est tout ça. Dis-moi, c'est toi, c'est pas ça. Tu veux pas ma défense. Ah, mais toi, c'est bon, on connaît pas. Ah, tu veux pas ma défense. Ma soeur, faut prêcher, oui. Ouais. Vas-y. Les phrases, elles sont finies. C'est bon, c'est non, les phrases, elles sont pas finies. Hein. Non, il y a encore. C'est quoi là, vous pouvez poser pour le moine bien. Folie. Quoi? Est-ce que ta chérie a le droit d'avoir une amie que tu n'aimes pas? Non. Sauf si toi tu dis que son amie ne te plaît pas là. Est-ce qu'elle doit arrêter de marcher? Elle arrête. Oui, elle arrête. C'est ta maman ne me plaît pas, tu elle te plaît pas aussi, elle t'a fait quoi? Elle m'a fait. Mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Bon, attends. Toi, tu es ma chérie, tu as beaucoup d'amis, non? Pourquoi c'est celle-là qui te dit qu'elle n'est pas bonne? C'est parce que tu es fan d'elle. Non, non. Elle est trop belle, quoi. Non. Mais elle n'est pas bonne, je connais. Elle a beaucoup de gars. Non. Tu sais que la bonne, si, quand tu veux la bonne, peut-être, tu sais que non. Si elles sont amies, là, ça a des pas. Non, toi, Kevin. Séparer, non, exemple. À chaque fois que je sais ma femme, elle vient un nouveau gars. Exemple. À chaque fois que je sais ma femme, elle vient un nouveau gars. C'est plus ta maman. Quel cousin aussi. Quel cousin. Quel cousin. Quel cousin. Cousin, on s'en va, c'est oui. On s'appelle bébé. Et puis moi-même. Moi-même, femme même qui appelle sa camarade bébé, il ne fait pas. Moi, c'est pas dans ça.
Dis tout quoi même. Où tu appelles ta maman bébé. C'est comme ça on s'appelle les filles là, c'est comme ça on s'appelle nous-mêmes, nos camarades filles, pour là on s'est dit bébé. Mais c'est pas dit que c'est bébé, je suis. Attends. Bébé. Non, ça c'est autre chose. Ok, camarade, mais... femme peut dire à sa femme bébé. Oui, femme... mais parce que, enfin. Non, attends. Bon, attends, c'est comme moi et puis pour là on s'appelle bébé. Ça y'a pas de problème. Ta femme appelle sa camarade femme bébé. Moi ça me dérange pas. Hein. Bébé de quoi? Bébé de... Mais, homme, bébé. Mais c'est comme ça, mais son femme. Tu peux appeler, par exemple, Junior bébé ou Cookie bébé. Pourquoi? C'est Cookie bébé comment? Non, mais c'est ton neveu, tu peux même appeler chaton, ça va chaton? Chaton? Oui! Il l'appelait, moi j'aime pas. Moi, mes neveux, chaton de quoi? N'est un assiste. Oh, chaton. Ah! Pour que j'ai un poli, tout qui va faire, moi l'appeler chaton. Je les vois Valpierre. Non, mais calme! Tu as l'esprit étriqué, c'est pas bon. Étriqué, faut pas me citer. C'est que ton esprit est fermé. Depuis un peu, faut pas me citer, faut pas m'appeler étriqué. Tu m'as appelé, tu peux. Mais t'en as pas l'air sérieux, faut pas me dire. Moi, j'appelle tous mes amis chatons. Hein. Tes amis chatons? Oui, ça va chaton et tout. Bon, peut-être parce que. Tu es tout dehors, ça. Ah, maintenant, c'est compliqué. Moi, en tout cas, dis-moi, moi, mon. Mais toi, tout à moi, il y a ta belle. Toi, quand tu as ta forme, là, toi, tu reçois un chaton. Tu as tu reçois un chaton. Moi, le jour tu m'appelles chaton, enfin, je vais me répondre. Le jeu qui t'appelle chaton. Toi, chaton comment? Mais toi, il y a des rires qu'on peut vous t'appeler chaton. Moi, c'est lion. Ah, pas là-bas, il y a des. Non, mais c'est cool, chaton, ça va, chaton et tout. Ta masse. Attends, c'était quoi la. Toi, attends. C'était quoi ta question là? Non, définitivement. Mais moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit là, si tu vois qu'elle n'est pas bonne, ou bien elle est un côté, elle n'est pas bonne. Hey. Et puis moi-même, c'est qui va faire, mais puis elle te dit faut plus marcher. Elle, tu vois, c'est en mode. Hey. Quand ta chérie vient te dire que champagne est fini, oh. C'est quoi, 20? Mm-hmm. Mais moi, tu sais, donc, il y a des coupables. Hein? Ou il n'y en a plus là. Merci. Les filles là sont venues, elles ont tout cassé. Oh. Comment on appelle ça? Genre, ta chérie vient te dire ah, bébé, ma camarade là, voici ce qu'elle dit et tout. Ça, tu dois plus marcher. Non, moi-même, je vais dans ça. Bon, toi par exemple, est-ce que ta goût te dit que ton ami n'aime pas? Il t'a fait quoi? Là, je ne suis pas d'accord. Donc pour toi, là, c'est un seul sens. Non! Souvent, il y a des amis aussi, là, qui vont prendre mon mari pour passer dans les faux trucs. Donc pour toi, là, c'est un seul sens. Tu es toujours au bar. Je remarque que tu es toujours entouré de femmes. Je ne veux plus te voir avec mon mari. Mon mari, je ne veux plus te voir avec ton ami. C'est tout. Non, c'est en parlant pas comme ça à son mari. Ah, mais comme t'es un peu sexiste hein, oui, sur les bords. Oui, non, en parlant pas comme ça à son mari. C'est un peu. Moi, je sais comment il a abordé moi. Combien tu vois? Genre, ta chérie ne peut pas te dire qu'elle ne veut plus te voir X. C'est qu'il y a une raison. Elle t'explique. Maintenant, toi, maintenant, tu peux dire X. Merci. Toi, mais toi aussi, là, quand tu lui dis que tu peux la voir, sa camarade, là, tu as lui dit pourquoi? C'est qu'elle a un comportement que moi. Maintenant, c'est ta chérie aussi te dit que ton ami, il a un comportement que je n'aime pas. Ah, vraiment, parce que. Mais je veux plus que. Elle te dit, je veux plus que tu marches chez lui. Voilà, si elle me dit ça là, et je vois que en tout cas, vraiment, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Franchement, même moi, si elle me dit. Même si tu as marché avec lui là. Si ma chérie, elle a voté chez lui. Ça sera un esprit. Elle dit, ah, moi, ma femme là, vraiment, franchement. Non, elle sait pas marcher, elle s'accompagne dans l'esprit alors. Non, tu sais, d'abord, tu as dit à mon ami que. C'est ça, j'ai un comportement que ma femme là, elle pas. Donc, vraiment, il faut changer. Respect. Voilà pour le respect de moi, ma chérie. Maintenant, si lui ne veut pas changer, franchement, c'est ma chérie sur tous les jours. S'il ne veut pas changer, là, ah, je sais pas. Maintenant, si ma chérie tient à son foyer, il pense bien qu'elle va m'écouter. Mais comme souvent les filles, là, elles ne savent pas ce qu'elles ont dans la tête. Voilà. Il faut t'entendre. Et ta meuf peut-elle faire. Peut-être ne pas faire toutes les tâches ménagères de la maison. Tout. Préparation. Elle ne peut pas préparer pour moi. Il y a des tâches à faire. Elle a l'aisance de faire d'autres. Elle est en préparation. Elle connaît préparation. Bon, si tu veux, elle fait pas la préparation. C'est vrai, c'est mon frère, ça. Il y a lui là même. Il y a lui là même. Toi, tu penses que tu as embauché une restauratrice de cantine ou bien? C'est que c'est pas ma femme. Donc toi-même, là, tu peux pas cuisiner, tu peux pas cuisiner pour que toi, ta femme mange. Quel que soit ton rang social, ta femme doit avoir quand cuisine pour te faire sortir un truc.
Donc toi tu pars en cuisine pour cuisiner pour ta femme. Mais quand tu dis pas tous les jours, elle dit pas. Mais attends, faut lui demander aussi. Lui peut pas rentrer en cuisine pour cuisiner pour ta femme. Moi ça grille œuf. Mais tu peux griller œuf pour ta femme. Il y a grillé avant manger. Ah ok. Oui, moi j'ai fait œuf au plat. C'est œuf que moi j'ai fait. Il y a grillé avant manger. Mais ma femme là, dans la semaine au moins, toi trouver un jour, quel que soit son rang social, elle va rentrer dans la cuisine pour mon voisin. Mais est-ce que tu as ta femme? Genre si ta femme lave à 7, est-ce que toi tu peux rester? Quel que soit toi ton rang social, ta femme doit te prendre plus tard. Mais attends, est-ce que si ta femme lave à 7, toi tu peux rester? C'est à nous de quoi? Oh toi aussi, comment on est où même? Non, il y a trois personnes. Mais vous ne pouvez pas pourquoi? Non. Mais donc tu peux laver si elle est fatiguée. C'est la fatigue, elle peut laver les assiettes pour elle. Ah. C'est toi qui laves, c'est toi qui n'es plus là. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Non, mais papa. Soit elle lave, soit ça vous fait quoi. Embellie. Mais pendant que ta femme lave, c'est là, tu laisses vous causer de tout, vous critiquez les gens, tout ça là, ça fait les liens. Attends, attends, Djouba, attends. Lili, attends, attends. Ça dit quoi? Je suis dans le canapé, elle a télé, comment la mère, elle est dans la cuisine. Elle a fait la maison en cause. Ouais. Pourquoi? Imagine que tu es dans la maison de Kevin ici avec ta belle. Vous êtes par exemple dans la cuisine. Toi-même, déjà ici, la cuisine ne te donne pas envie de laver cette tête à toi. Il y a des chaises qui sont là. Je sois sur la chaise là. La chaise qui est dans ma cuisine, t'as fait, puis tu as ta coupe de champagne. Nicolas a fait la tête. Et puis elle est là. Laissez-moi vous dire que vous pensez comme les gens. Des villages lointains qui n'ont jamais pris ne serait-ce qu'un massa pour arriver à la frontière d'Agboville et puis Abidjan. C'est comme ça que vous réfléchissez. Moi en tout cas, ici. Non, ici. Moi en tout cas, je peux. Moi je n'aime. Bon, moi je ne vais pas faire parce que je n'aime pas laver assiette. Mais ce n'est pas parce qu'elle me dit que c'est ma femme elle doit faire. Non, c'est parce que le fait même de laver assiette, je n'aime pas. C'est pour ça que j'ai embauché Clarisse. Non, moi je n'ai pas embauché quelqu'un. C'est un monsieur qui. Toi, t'as vu Clarisse, moi, Gisèle. Ouais. Ta meuf. Si c'est fini. Non, c'est pas fini. Non. Ta meuf peut t'envoyer cuisiner pour elle pendant qu'elle est au salon. Par exemple, quand elle est cuisinée. Évidemment, vous êtes un pognon. Oh. Ouais, mais calme. Ta meuf peut-elle appeler? Tu es désespéré ou bien? Non, c'est la façon que tu fais pour lui là. Ta meuf peut-elle appeler tes parents pendant que vous soyez Pendant que vous soyez comment? Avec des licences de Lille là. Vous savez qu'on a. On a un groupe de famille, non? Un groupe WhatsApp de notre famille. Nous tous on est dedans. Moi, Bekam, Juma, nous tous. Voyez classeur là. Voyez classeur. Oui, ça. On n'a jamais vu. Lille nous a envoyé le classeur. Vous dites sa licence est dans le classeur. Lille n'a jamais ouvert le classeur. Quand elle ouvre la. Quand elle ouvre le classeur, c'est licence 1 qui est dedans. Deux lundis, c'est en bas. Maintenant, trois là, peut-être c'est en bas du lit. Elle dit le jour de son anniversaire, oh, c'était avant-hier. C'était son anniversaire avant-hier. Il y a classeur. On a jamais voyé classeur, on n'a jamais vu la licence. Je vais poser la dernière question. Actrice. Moi, ça me va, ça. De cinéma, bah oui, évidemment. Oui. Mais en fait, quand vous voyez les bisous au cinéma, c'est des bisous au cinéma. Oui, et puis ce sont des bisous rapprochés. Et même si c'est langoureux, enfin, je veux dire, c'est juste pour les besoins du film. Mais c'est justement, pas... en fait. C'est langoureux, mais il n'y a pas. Mais c'est juste pour les besoins du film. Mais vous savez que quand ils s'embrassent langoureusement, il y a au moins 15 personnes qui les regardent. Donc tu ne peux pas avoir une excitation, en fait, parce que tout le monde te regarde, tu vois. Et après. Mais après, vous, chacun rentre à la maison. Le bisou qui s'est passé longueureusement, là, tu peux passer à ça après.
Fatou la Malienne, François, il est d'une manière. Mais Fatou la Malienne, c'était pas vrai, vrai quand tu as vu le film là. C'était... Mais ce sont d'une manière. Mais c'était pas vrai, vrai. Uh-huh. Donc vos femmes peuvent faire ta clé. Non, moi, elles peuvent faire. Il ne faut pas passer ensemble, pas toi, les gars. Ou bien, il y a qui fait ça là. C'est un bisou. Ouais, ouais, ouais. J'ai fini. Non, faut pas. Donc, vous, mon gros, là, c'est. Zoubana, maintenant, j'ai jamais appuyé. Il ne faut pas passer les petits mais moments. Mais il y a un nouveau film qui est là sorti. Et la coup de la vie, son bras dedans. La coup de la vie, en fait, ma coupe a déjà fait les attailles. Moi, je peux pas. Moi, franchement, ma go peut. Elle, ouais, peut. Elle peut embrasser même dans un film. Non, moi, c'est pas parce que t'as 10 000 dangers. Voilà. Mais vous, on va s'attraper. Bon, si vous êtes acteur, quand on que vous devez embrasser une go dans le film. C'est bon, on doit embrasser. Non, moi, non, non, non. Go là, va. On va pour la vie, pour la vie, elle m'a fait des décisions. On va couper la vie là. Pour la vie, c'est des décisions. Tu as son nom. Ah, bisous. C'est votre pour là, c'est votre fille. C'est ma soeur. C'est, oui, c'est ma fille. Il n'y a pas dit le contraire. Elle m'a dit au mariage. Elle a coupé parce que c'est sa nièce. C'est votre fille. C'est ça, je dis là. On va pas couper. Il sait que c'est sa nièce. Non, mais c'est ma fille. Elle m'a dit au mariage. Elle m'a pas salué. Elle m'a oublié ça. Pour là, elle n'a pas salué. Mais ça, elle n'a pas fait attention. Ça cause à mille bouts d'oreilles, mais pourquoi elle passe attention? On doit aller, on va aller, quel âge? C'est ça. Quand finit la vidéo, me donne là. Ça, c'est moi. Faut laisser celle-là. Toi, tu vas manger mon plat, Kali. C'est toi, tu oses. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas, vous avez vu tout au long de la vidéo, il y avait le bandeau Yango Deli, mon code promo c'est Kevin. Mon code promo c'est Kevin 2000. Ça vous donne 2000 francs de réduction sur vos achats Yango Deli. Vous avez vu durant toute la vidéo. Donc n'hésitez pas. Image Beckham. Beckham même voulait faire vidéo là parce qu'il dit que depuis faire vidéo là, quand ils sont offerts photo à lui, c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Ça c'est quoi? Le 17 décembre, mon anniversaire. Il n'aura pas. C'est la même, il pas un cadeau. Kevin même m'a pas donné cadeau. Moi-même, mon anniversaire, tu m'as donné quoi? Hey, c'est vrai. Maintenant, c'est. Aïe, pour être d'un boudin. Ah, franchement! La vidéo est finie! Aïe, pour être d'un boudin, la soirée, on a samedi.